Eh bien, c'est dans le bazar de la première chicane de Monza que je vous accueille pour ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un test un petit peu particulier. On va parler d'un mode F1, ça change, on n'en a pas fait beaucoup, vraiment dans la catégorie des modes à la mode. Et on est parti ici pour 3 tours sur le tracé de Monza à bord d'une Sauber Ferrari. Voilà, on va parler du mode de ACFL F1 2015 pour Assetto Corsa. Alors, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de modes qui ont été faits pour la saison 2014-2015 qui sont, on va pas se mentir, assez moyens. Et de tous les modes que j'ai pu tester, bon j'en ai pas testé 500, mais on va dire 3-4 modes Formule 1 que j'ai pu tester sur Assetto Corsa, et bien c'est celui qui m'a le plus convaincu. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui est le plus complet et le plus beau, tout simplement, mais on va développer ça pendant ces quelques tours. Sachez aussi que juste après bien mon explication, vous allez pouvoir profiter de 3 tours chronométrés sur 3 circuits différents, avec 3 modèles différents et donc 3 sons de moteurs différents. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai senti un léger son différent selon le moteur. Donc vous allez pouvoir entendre le Ferrari, le Renault et le Mercedes avec 3 monoplaces différentes. Enfin, vous aurez toutes les explications dans les plans qui suivent. Ici on est parti donc pour 3 tours à Monza. Au niveau de la réalisation, le mode est très complet, tellement complet qu'en plus de la mise à jour avec la nouvelle livrée de la McLaren 2015 qui a été mise à jour depuis le Grand Prix d'Espagne, vous bénéficiez également de quelques livrées spéciales, notamment un hommage à Jules Bianchi, à qui on pense beaucoup, puisque eh bien, l'équipe Manor a également sa déclinaison Marussia 2014 de disponible dans le mode. Très difficile de sélectionner les bons skins, hein, par contre, donc il est possible que vous vous retrouvez parfois eh bien, avec une McLaren nouvelle et ancienne décoration. Au niveau des caméras, c'est assez complet. On n'a pas les caméras spécifiques à la FIA, donc les placements des caméras est un petit peu hasardeux, mais en tout cas, ça nous permet de profiter. Par exemple, ce museau ici n'est pas vraiment la vraie caméra au niveau du plan, mais c'est tout à fait convaincant. On va parler donc de la réalisation. C'est un mode qui a un force feedback assez particulier. Le comportement et les reprises moteurs sont assez intéressantes. Notez également que les 8 vitesses sont disponibles, hein, donc pas un mode à 7 vitesses modifié. Il y a bien 8 rapports de boîte à étalonner dans le menu. Donc le menu de réglage des voitures est bien spécifique à la discipline, donc ça c'est aussi un point positif. Le comportement des voitures est assez intéressant, beaucoup de grip quand vous êtes en virage. Le DRS et le KERS sont bien sûr activables si vous paramétrez les touches. Je vais peut-être pas les utiliser dans les vidéos. Ce qui fait que vous avez parfois, si vous ne l'utilisez pas en ligne droite, et bien une petite différence avec vos adversaires qui eux, bien, l'ouvrent en ligne droite, et ça fait qu'en ligne droite vous êtes rapidement rattrapé. Au niveau de l'IA, elle est spécifique à Assetto Corsa, elle n'est pas trop bordélique, elle respecte ce qu'est l'IA d'Assetto Corsa, donc une IA très moyenne, il faut se l'avouer malgré tout. Un mode qui est assez populaire également en multijoueur, ça c'est plutôt intéressant. On voit pas mal de sessions arriver ces derniers jours avec ce mode, qui est toujours en constante évolution. D'ailleurs, il est actuellement en version 2.0, ici je vous teste une version un petit peu plus ancienne, puisque la vidéo a été tournée eh bien, ce week-end, et le jeu a subi une autre mise à jour entre temps. Au niveau de l'étalonnage des performances, j'ai pas remarqué vraiment qu'une équipe s'en sortait, ou qu'un moteur dominait. Donc les voitures ont l'air d'être sur des échelles de performance assez variables. Donc vous découvrez ici l'arrière de la Sauber avec la McLaren nouvelle décoration bien sûr. Donc c'est vrai qu'au niveau de la structure par rapport à la saison 2015 qu'on est en train de vivre, eh bien il n'y a pas vraiment de hiérarchie installée. Donc vous pouvez avoir une Williams devant, ensuite une Ferrari, une Lotus, etc. Donc c'est plutôt marrant. Je pense surtout que le mode a été fait pour le multijoueur avec des performances assez similaires. Et en tout cas, bah, ça marche très bien, et je vous conseille vivement d'aller télécharger eh bien, cette saison des fins 2015. J'invite aussi les gens qui ont testé le mode eh bien, à me donner un feedback, puisque moi je ne suis pas un super expert en mode F1. Le modding des fins, je le connais bien sur R-Factor, sur Assetto Corsa. Comme je vous dis, j'ai très peu d'expérience, je sais qu'il y a des gens qui roulent en ligue, etc. Donc n'hésitez pas à faire part de votre ressenti. J'ai eu beaucoup de critiques récemment sur ce que j'ai pu dire de Project Cars, de Dirt, etc. Donc n'hésitez pas, j'aime bien discuter avec vous, j'aime bien avoir votre ressenti, les choses que vous avez aimées ou pas. Mais d'abord, bien sûr, tester le mode, bien entendu. Le mode ne propose pour l'instant pas de tracé en version, alors que là il y a eu un magnifique accident, ne propose pour l'instant pas de tracé officiel avec le sponsoring, etc. de la saison 2015, mais les voitures sont bien réalisées. Ici on prend un petit départ en Nürburgring avec Lewis Hamilton pour voir un petit peu. Donc le son est un petit peu différent, mais je vous laisserai écouter les 3 moteurs après, hein, de toute façon à la fin de ce shot-ci qui vous montre quelques tours, enfin quelques mètres parcourus
voyez qu'ici à gauche, on a les différents skins, hein, la Marussia ici juste à gauche et la Manor juste devant. Donc voilà, c'est un très bon mode. Moi, je me suis bien éclaté. Difficile de bien freiner, l'aéro est très important. Le grip aussi, c'est très bien fait. Le bruit des moteurs est, pour un Assetto Corsa, plutôt bon. Et voilà, donc je vous invite très rapidement à vous rendre dans la description. Attendez quand même la fin de la vidéo, bien sûr, pour vous donner un avis sur le son de ces monoplaces. Je vous invite donc à vous rendre dans la fin, à la fin de cette vidéo, donc dans les commentaires, dans la section détails sous la vidéo, pour trouver un lien de téléchargement. Merci d'ailleurs au passage à l'un d'entre vous, puisque j'ai découvert ce mode grâce à Racing Channel FR, alias Raiko, qui bien m'a parlé de ce mode, qui n'avait pas encore popé sur les grands sites de téléchargement. Et bien depuis quelques temps, il est dispo, il évolue bien, donc n'hésitez pas à donner du feedback aux développeurs, ils le méritent vraiment. Bonne vidéo.